hors-jeu. Avantage pénalité. La ligne. On est sur avantage pénalité, là. Super, merci Denis. Ok. On est avantage pénalité, plaquage après passe. C'est un plaquage à retardement, clairement. C'est carton jaune. Ça ne s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité aujourd'hui. Il y a eu beaucoup trop de déchets, d'indiscipline et de petites fautes. Ouais, tu l'as dit, je crois qu'on avait vraiment à cœur de faire un gros match ce soir. Dans l'intensité, dans l'engagement, je pense qu'on a répondu présent. Mais malheureusement, il y a beaucoup trop d'indiscipline, moi le premier. Je crois qu'on prend 10 points à 14 contre 15 quand je prends le carton jaune. Et c'est ce qui fait la différence à la fin. Donc. Voilà, très, très déçu d'abord de moi-même. Je crois que j'ai coûté cher à l'équipe ce soir, donc ça fait jamais plaisir. Mais voilà, je crois qu'il faut qu'on continue à travailler. Croyez-moi, on est conscient de nos lacunes actuelles et on va tout faire pour y remédier. On ne s'est pas lâché comme à chaque fois, mais voilà, ça tourne toujours pas en notre faveur à l'extérieur. Donc voilà, on retentera notre chance. Et il y a un gros match qui se prépare la semaine prochaine, la réception du champion en titre Montpellier. Comment vous expliquez en fait depuis le début de la saison ces imperfections? On a du mal à retrouver le lien qui avait fait une de vos forces la saison dernière. Ouais, je sais pas, je crois que ça se joue à chaque fois à pas grand chose, à des imprécisions. Voilà, on a 2-3 occasions où ça se joue à rien et à la fin ça fait la différence. Donc voilà, gommer ces petites erreurs, ces petites choses qui font la différence. Et je pense que si on continue à travailler, à ne rien lâcher, bah, voilà, ça basculera de notre côté à un moment ou à un autre. Merci Henri.